Violence à l'école, ça suffit. C'est par ce slogan qu'étudiants et professeurs expriment leur ras-le-bol et leur désir de mettre un terme à tout acte de violence dans le milieu scolaire et universitaire. Pour traduire cette volonté en acte, l'Association ivoirienne de criminologie relance la réflexion sur la question et commence la sensibilisation déjà au niveau des collèges et lycées. Lorsque la violence est en milieu scolaire et universitaire, cela nous empêche de véritablement construire notre pays. C'est à cause de la violence aujourd'hui, nous connaissons ce retard. Les étudiants, à la fois acteurs et victimes de la violence dans leur environnement d'études, ont décidé eux-mêmes de mener la lutte contre la violence. Il faut que par notre comportement, nous-mêmes jeunes filles d'abord, par notre manière d'agir dans notre université, nous devons montrer la voie aux autres. Pour aider ces élèves et étudiants à bouter la violence hors de leur cadre d'études, les enseignants-chercheurs en criminologie procèdent tout d'abord à un diagnostic de la situation pour en déterminer les causes principales et agir directement sur les principales concernées. Quand nous sommes en criminologie, nous essayons également de faire une approche clinique. C'est-à-dire qu'on écoute les étudiants, on essaie de régler les problèmes aussi psychologiques. Parce qu'il y a d'autres, c'est depuis la famille. Il y a d'autres, c'est au secondaire. Il y a d'autres, c'est seulement à l'université. Et donc, il y a des problèmes de bande aussi. Voilà. Donc, souvent, il y a des mineurs, etc., etc. Donc, nous essayons d'agir sur tout ça. Comprendre les causes de la violence, informer et sensibiliser et les victimes et les acteurs au quotidien, la meilleure approche, selon les criminologues, pour mettre fin à la violence dans les écoles ivoiriennes.